Donc rebonjour et merci de votre présence donc à ce rendez-vous géopolitique de l'Université Permanente. Alors aujourd'hui, on a choisi de consacrer ce rendez-vous à la situation des Balkans, donc avec notre invité Loïc Trégourès. Bon, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes donc, comme l'a rappelé Patricia, docteur en sciences politiques de l'Université de Lille 2. Vous êtes également collaborateur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, ainsi qu'au courrier des Balkans. Merci donc d'être avec nous et de faire l'aller-retour de Lille pour nous parler de cette région des Balkans qui avait un petit peu disparu des écrans radars ces dernières années. C'était un bon signe, hein, quelque part, que cette région disparaisse des écrans radars quand on se rappelle des atroces tragédies qui ont trop souvent conduit la région à faire les unes de l'actualité, que ce soit au début des années 90, lors du sanglant éclatement de la Yougoslavie, puis au tournant des années 1990-99 avec la guerre au Kosovo. Je remercie d'ailleurs des membres de Solidarité Bosnie qui étaient très actifs à Nantes pendant les années 90, pendant ce conflit yougoslave, et qui sont aujourd'hui parmi nous. Alors jusqu'à récemment, il semble que la perspective d'une adhésion future qui était promise aux Balkans, de leur adhésion future à l'Union européenne, et la fatigue de la guerre poussaient à l'entente, hein, des États des Balkans, malgré les difficultés économiques, des failles institutionnelles profondes, des querelles mémorielles aussi, ou encore des rivalités politiques et confessionnelles. Il faut européaniser les Balkans pour éviter une balkanisation de l'Europe, disait-on dans les années 90. Cependant, aujourd'hui, la perspective d'adhésion des Balkans à l'Union européenne est gelée, bon, comme toutes les adhésions prévues, hein, dans le contexte que vous connaissez. Ce qui semble avoir contribué, en tout cas pour les Balkans, à réveiller les vieux démons et de profonds antagonismes jusqu'alors plus ou moins refoulés. Alors, plusieurs épisodes ont illustré dans les derniers mois cette graduelle montée des tensions, notamment en décembre 2016, la construction à Mitrovica, dans la partie nord du Kosovo, peuplée en majorité de Serbes, d'un mur, hein, finalement détruit, mais qui visait à séparer la partie serbe de la ville du quartier kosovar. Cet épisode avait suivi ce qu'on avait appelé l'affaire du train, qui devait relier la Serbie et le Kosovo, sur laquelle nous reviendrons avec vous, Loïc Trégourès, et qui avait également suscité un émoi considérable, suscité par le fait que ce train avait été recouvert d'une inscription « Le Kosovo, c'est la Serbie », qui est inscription qui, bien évidemment, n'avait pas fait consensus, loin de là. Alors en Bosnie aussi, la situation demeure très problématique. Les tensions récurrentes entre communautés et entités de ce pays à l'architecture institutionnelle particulièrement complexe, même pour quelqu'un comme moi qui vient de Belgique, qui donne au pays la réputation d'être ingouvernable, font craindre un éclatement à plus ou moins long terme du pays, un éclatement souhaité en tout cas dans ces mots, pas souhaité publiquement par le président de la partie serbe de la Bosnie. On parlera de tout ça avec vous. La Macédoine également, quant à elle, est empêtrée dans des scandales politiques de grande ampleur après la révélation d'écoutes téléphoniques généralisées par le pouvoir de l'autoritaire Nicolas Gruevski, ancien Premier ministre et homme fort de la Petite République. Puis il y a une défiance de part et d'autre, hein, de l'échiquier politique qui rend compliqué tout compromis. Alors sur cette toile de fond menaçante, on parle aussi de redécoupage de frontières, d'échanges, et ce même dans des cénacles internationaux, ce qui est assez nouveau. Alors autant d'éléments qui ont conduit la presse à multiplier les titres assez sombres ces dernières semaines. Je le cite, « Europe, une poudrière au cœur des Balkans », ça c'était Courrier International du 15 février, d'où est extraite la carte qui est projetée à l'arrière. « Retour de la haute tension dans les Balkans », ça c'était dans la Libre Belgique le 28 février, ou encore « Poussée de fièvre dans les Balkans », ça c'était dans le journal du dimanche le 31 janvier. Alors on va prendre le temps avec vous, Loïc Trégourès, de revenir sur ces aspects et bien d'autres. Mais commençons, si vous le voulez bien, par aborder cette question des tensions communautaires et interétatiques. Est-ce qu'on peut dire que la phase vertueuse de conciliation
entre les pays des Balkans, passant notamment par la pacification générale de la région, avec notamment une amélioration des relations entre le Kosovo et la Serbie, c'est totalement grippé, avec notamment les signes inquiétants que je viens de rappeler, cette construction du mur et puis cet épisode du train. Oui, alors d'abord, merci pour votre invitation et merci d'être venus aussi nombreux. Ce qui se produit récemment, à mon avis, c'est le résultat d'agendas locaux dans chacun des pays de la région, dans lesquels chacun a intérêt, pour ses raisons particulières à lui, par exemple l'élection présidentielle qui arrive en Serbie, par exemple le tribunal qui va ouvrir pour juger les crimes de Lučeka, chacun a intérêt, dans son propre pays, à se montrer comme étant, comment dire, belliqueux, offensif, étant entendu que ce qui nous semble être au premier abord irresponsable, comme attitude, comme provocation, comme déclaration, ce qui nous semble être irresponsable n'est pas du tout irrationnel. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Ça fait partie du jeu politique, et c'est comme ça qu'on gagne des points politiques en étant toujours celui qui sera à l'offensive face à l'autre. C'est vrai pour tout ce qui concerne tout ce qui entoure, disons, le thème du révisionnisme, qui est présent, extrêmement présent en Croatie, ça c'est très inquiétant, en Croatie, en Serbie, bon. Et c'est vrai sur tout ce qui relève de l'imaginaire de la guerre. On se sert toujours de la guerre pour marquer des points politiques. On se sert toujours du paradigme ethno-nationaliste pour marquer des points politiques. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est partagé par tout un chacun dans la population. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le sujet, d'ailleurs. Mais en tout cas, au sein de la classe politique, c'est comme ça qu'on marque des points. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. Et cette affaire du train, alors je voudrais quand même dire un mot sur cette affaire du train, c'est évidemment une provocation qui peut sembler grotesque, mais qui, encore une fois, est parfaitement rationnelle, qui a donné lieu de manière très surprenante à ce que Mme Mogherini, qui vient d'arriver là, dans les Balkans, qui n'a pas pu atterrir à Sarajevo, m'a-t-on dit, qui a donné lieu à ce que Mme Mogherini félicite le Premier ministre serbe, Aleksandar Vučić, pour avoir fait baisser la tension. Ce qui est la preuve que, soit elle a été obligée de le dire, parce que c'est une diplomate et que c'est son métier, soit elle n'a pas compris grand-chose à ce qui s'est passé. Mais cette provocation s'inscrit dans une tactique très éculée que Slobodan Milošević utilisait, c'est-à-dire faire une provocation, attendre que l'autre réagisse, et ensuite se placer en homme de paix en disant « Ah, vous voyez, moi, on ne fait que se défendre, ce sont les autres qui attaquent ». Donc l'idée était qu'éventuellement il se passe quelque chose, l'idée était que ça dégénère, que le Kosovo envoie, que les forces de Pristina envoient la police, etc., et donc que cela permette au Premier ministre serbe Vučić de se placer, de se donner le beau rôle en disant « j'ai arrêté le train à la frontière parce que sinon, Dieu sait ce qui se serait passé ». Ceci est une manipulation. On peut parler par le bus ou par le train, on peut aller au Kosovo sans problème depuis la Serbie. Ce n'est pas une affaire de transport. C'était purement et simplement une affaire politique avec en arrière-plan la reprise du dialogue Belgrade-Pristina sous l'égide de Bruxelles, où il fallait se placer dans les meilleures conditions, la course à l'investiture pour la présidentielle serbe. À ce moment-là, on ne savait pas encore qui de Aleksandar Vučić, Premier ministre actuel, et de Tomislav Nikolić, président serbe actuel, serait le candidat pour l'élection présidentielle serbe qui aura lieu le mois prochain. Aujourd'hui, on sait que c'est Aleksandar Vučić. Mais ça explique aussi pourquoi le président Nikolić, qui avait l'intention de se représenter, était lui aussi allé de son commentaire, un peu fou, de dire « Nous, on enverra l'armée à Mitrovica, et s'il faut, j'irai moi-même avec mes fils. » C'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas entendu depuis les années 90. Donc c'est bon. Mais encore une fois, c'est irresponsable, mais ce n'est pas irrationnel. Voilà. Donc tout ce qui se passe en ce moment, toute cette montée en tension, qui est aussi alimentée par... que la presse et un certain nombre d'intellectuels, d'intervenants, d'anciens diplomates
qui écrivent et dont les écrits sont très suivis, ceci participe de l'alimentation de ces tensions. Avec aussi, en arrière-plan, tout ce qui concerne les incertitudes nées de la nouvelle administration américaine. Vous avez peut-être observé dans la région, du jour au lendemain, les Serbes sont devenus pro-américains. Quand Trump a été élu, vous aviez des grands posters avec Trump et Poutine. Et donc, du jour au lendemain, dans le discours serbe, on a espéré que le vent allait tourner et que la nouvelle administration américaine serait nettement plus favorable aux intérêts serbes. Dans la presse tabloïde sous le contrôle du gouvernement, c'était assez frappant. Et d'un autre côté, du côté des Albanais du Kosovo, il y avait une espèce d'inquiétude dans la mesure où, quand même, les Albanais du Kosovo avaient des rapports très particuliers avec les Clinton, puisque c'est Bill Clinton qui avait enclenché l'intervention de l'OTAN en 1998-19. Donc ceci ne reposait sur rien d'autre que sur des anticipations qui se sont avérées pour l'instant erronées. Mais en tout cas, cette incertitude-là, et le fait que vous ayez des anciens diplomates, des analystes, qui écrivent tous en même temps dans des publications très sérieuses, il faut revoir les frontières, ça marche pas, ça tiendra pas, les tensions augmentent, etc., ça va être la guerre. Tout ça, dans un contexte où le président Trump dit ce qu'il dit sur l'OTAN, où on ne sait pas très bien quelle est sa vision des relations internationales, bon, tous ces agendas-là qui se percutent produisent ce regain de tension, mais qui n'est pas spécifiquement balkanique. Regardez en Ukraine. Est-ce que derrière ces épisodes qui pourraient presque paraître anecdotiques, il risque d'y avoir cependant une véritable remise en cause du processus de normalisation entamé entre le Kosovo et la Serbie sous l'égide de l'Union européenne ? J'y crois pas beaucoup parce que, encore une fois, alimenter des tensions, ça s'entend politiquement. Alimenter un conflit, c'est totalement contre-productif pour les acteurs locaux. C'est pour ça que tous ceux qui, à mon avis, tous ceux qui se font qui crient au loup et qui crient au conflit qui arrive, oublient juste un petit détail. C'est qu'il y a 20 ans, il était dans l'intérêt des responsables politiques de faire la guerre pour légitimer, pour construire leur pouvoir. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est l'inverse. Ce qui est dans l'intérêt des responsables politiques, c'est vaguement, pour ceux qui sont les plus avancés sur l'intégration européenne, c'est vaguement d'avancer qu'un cas, sachant que l'élargissement européen est la dernière des dernières priorités à Bruxelles. Et puis pour les leaders locaux également, ce qui les intéresse, c'est de continuer à jouir d'un pouvoir dont ils s'arrangent pour qu'il soit de moins en moins discuté, tout en éventuellement détournant ici et là, à vos souhaits, détournant ici et là ce qu'ils peuvent détourner. Donc là, modèle monténégrin, modèle des Serbes de Bosnie, enfin voilà, c'est des choses qu'on connaît. Donc voilà, tous ceux qui disent « attention, ça va péter », oublient quelque chose, c'est qu'il n'est pas dans l'intérêt des responsables politiques que ça pète, au contraire. Alors sur ce registre des tensions communautaires, il y a un autre pays qui focalise bien évidemment l'attention, c'est la Bosnie-Herzégovine, avec notamment le président de l'entité serbe de la Bosnie, j'en faisais référence tout à l'heure dans mon préambule, qui ne se cache pas de vouloir faire éclater cette fédération déjà bien fragile. Et il y a des anecdotes là aussi hein, qui portent l'inquiétude, hein, je pense notamment à ce choix, c'était il y a quelques mois, hein, par l'entité serbe de Bosnie, de rebaptiser une nouvelle cité du nom de Radovan Karadzic, ce qui ne peut pas manquer de susciter l'indignation du reste des Bosniens. Il y a aussi cette décision, là, c'est plus récent, hein, par toujours le président Dodic de l'entité serbe de la Bosnie, qui est une fédération, hein, vous la voyez en gris sur la carte, choix de ce président d'instituer une nouvelle fête nationale qui, en prenant une date qui avait un petit peu contribué au déclenchement des hostilités pendant la guerre de Yougoslavie. Donc vraiment des éléments agressifs qui peuvent susciter l'inquiétude.
Oui. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a une historienne serbe assez fameuse qui s'appelle Dubravka Stojanovic, qui a écrit un article sur cette date du 9 janvier. Donc, les Serbes de Bosnie ont fait un référendum que la Cour constitutionnelle de Bosnie a jugé illégal. La raison pour laquelle, d'ailleurs, Dodik, aujourd'hui, est sanctionné par le Trésor américain, enfin, ses biens sont gelés aux États-Unis, parce qu'il a violé les accords de Dayton en organisant ce référendum. Il y a un paradoxe sur cette date du 9 janvier, parce que dans le récit serbe, dans le récit des Serbes de Bosnie, de la guerre, ils disent que la Republika Srpska a été créée pour protéger les Serbes de la guerre et donc de leur possible expulsion ou extermination. Sauf que la guerre commence, disons, pour faire simple, après le référendum d'indépendance, et puis après, disons, les premiers coups de feu, les premières barricades, c'est-à-dire on est en mars-avril 1992. Donc, si on organise une fête nationale le 9 janvier, ça veut dire qu'on avalise l'idée que la Republika Srpska n'était pas la conséquence de la guerre, mais en a été l'une des causes. Ça leur passe complètement au-dessus de la tête, mais en voulant récupérer l'héritage de Radovan Karadzic, on récupère également la structure intellectuelle de la guerre, qui est qu'il est évident que la Republika Srpska n'est pas le résultat de la guerre. Enfin, bon. Donc ça, c'est un point qui me semble intéressant. Sur le référendum, je vais redire ce que j'ai dit juste avant, il n'est pas dans l'intérêt de Milorad Dodik que la Bosnie explose. Il est dans l'intérêt de Milorad Dodik que la Bosnie reste ce qu'elle est, très exactement comme elle est, et que donc il puisse être, en Republika Srpska, le président non contesté, qui contrôle absolument tout, et qui s'enrichit dans des proportions qu'on ne peut pas imaginer. Et donc, chaque menace de référendum, je vais vous dire, j'étais à Srebrenica en 2006, et c'est un moment de basculement pour la Bosnie, parce que jusque-là, ça allait plutôt pas mal. Et bon, il y a eu quelques faits qui se sont déroulés, et notamment un changement de position de la part de la communauté internationale qui a décidé de cesser d'intervenir et de laisser les acteurs locaux faire. Et ça s'est traduit immédiatement aux élections de 2006 par un Milorad Dodik qui était jusque-là, disons, le champion des progressistes, quelqu'un que les Américains avaient beaucoup poussé. Et je me souviens très bien de ce meeting où il y avait déjà à la porte, à Srebrenica, vous savez peut-être que tous les 11 juillet, il y a la cérémonie du souvenir au cimetière de Potocari où on enterre les gens qui continuent d'être identifiés partout dans le pays. Mais le 12 juillet, il y a aussi des cérémonies des Serbes de la région et donc à l'église de Srebrenica. Dodik est venu, et à l'entrée de l'église, il y avait déjà des gens qui recueillaient des signatures pour faire un référendum. C'est pour dire que cette histoire de référendum, c'est comme une baballe qu'on lance à un chien, tous les deux ans, puisqu'il y a des élections tous les deux ans en Bosnie, municipales et puis générales. C'est comme une baballe qu'on lance à un chien, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on menace de faire, qui est mobilisateur, qui permet à Dodik de désarmer ses opposants politiques, qui ne sont pas des démocrates ou des libéraux, qui sont également des nationalistes, mais bon. Et donc ça lui permet de mobiliser, de faire le vide autour de lui. Mais le référendum d'autodétermination, aucun intérêt à ce qu'il se tienne. Et puis quand bien même il se tient... Alors il y a deux obstacles très sérieux à ce qu'il ne se tienne pas. Le premier, c'est donc pas dans son intérêt. Et le deuxième, c'est que j'ai peine à croire que à la fois les Bosniaques et la communauté internationale laisseraient faire ça, surtout les Bosniaques. Mais surtout, la chose d'après, c'est que, en admettant quand même que ça se fasse, on se retrouve avec une entité que la Serbie ne récupérera pas. Donc on se retrouve avec quelque chose qui sera reconnu par personne en plein milieu de l'Europe. Là, pour le coup, c'est pas très enviable. Quand vous êtes dans les institutions de Dayton et quand vous êtes dans un vrai pays reconnu qu'est la Bosnie, même s'il ne fonctionne pas, vous pouvez, vous, président de la Republika Srpska, contrôler votre territoire, détourner tout ce que vous pouvez et être le nabab de votre coin.
Si vous êtes sur un territoire qui n'a plus de statut juridique, tout ça disparaît. Donc, encore une fois, la stratégie de la tension, elle fonctionne parce qu'elle permet de faire, de gagner des gains, enfin, de faire des gains politiques. Mais il n'est pas dans son intérêt d'aller au bout de cette logique. Et ce n'est pas fait pour ça. C'est vraiment pas fait pour ça. Alors on va continuer à parler de la Bosnie, hein, notamment de son fonctionnement institutionnel, l'éclaircir tout à l'heure. Mais avant cela, je voudrais qu'on continue notre tour de la région sur le plan des tensions communautaires. Il y a un autre pays qui focalise enfin l'attention, c'est la Macédoine, avec des problèmes politiques ces derniers jours, notamment, qui semblent traduire derrière ces problèmes politiques des tensions entre communautés, communauté slave et puis communauté albanaise, hein, qui compose ce pays. Quelle est votre analyse de cette situation ? Alors, bon, c'est de l'actualité brûlante, puisque hier soir, le président Ivanov a refusé de donner mandat à Zoran Zaev, qui est donc le leader du parti social-démocrate, a refusé de lui donner mandat pour former un gouvernement, alors qu'il a une majorité pour le faire, puisque le principal parti albanais DUI a donné son accord pour faire ce gouvernement. Donc le président Ivanov a refusé de donner mandat au prétexte que la plateforme albanaise, c'est-à-dire que après les élections, tous les partis albanais se sont réunis à Tirana et ont abouti à un accord sur ce qu'il était indispensable. Afin de rentrer dans une coalition, notamment le fait que la langue albanaise devienne une langue officielle, non pas seulement dans les endroits qui sont peuplés à au moins 20% d'Albanais, comme le précise l'accord d'Ohrid de 2001, mais partout sur le territoire. Bon. Donc le président Ivanov a dit qu'il était hors de question de donner mandat à un gouvernement qui s'appuierait sur une plateforme produite à l'étranger par des partis étrangers. Bon. Le président Ivanov, qui avait déjà pris une décision extrêmement controversée de gracier tous ceux qui étaient impliqués, tous les responsables politiques qui de près ou de loin étaient impliqués dans toutes les affaires qui sortent depuis 2 ans à la faveur des écoutes, décision qui avait été ensuite cassée. Mais en tout cas, bon, président Ivanov est un homme du parti au pouvoir depuis 10 ans, c'est-à-dire le VMRO, et est un homme du Premier ministre, Nicolas Gruevski. Bon. Ceci étant, la clé ethnique ne me semble pas forcément être la clé la plus pertinente pour comprendre ce qui est en train de se passer en Macédoine, dans la mesure où, aux dernières élections, le parti principal des Albanais, DUI, a perdu beaucoup de voix, et pour la première fois, le Parti social-démocrate a recueilli pas mal de voix des Albanais de Macédoine. Donc, ce qui se passe depuis 2 ans, c'est que il y a un agenda social qui est en train de pousser, qui dépasse les clivages ethniques en tant que tels, dans la mesure où la capture de l'État par le parti au pouvoir et le degré d'autoritarisme est arrivé à un point tel, sur l'échelle de 10 ans, est arrivé à un point tel que, par-delà les clivages ethniques, vous vous en trouvez dans tous les camps pour dire « stop, ça suffit ». Et les gens qui ont défilé en 2014-15 et l'année dernière aussi ne se définissaient pas comme tels. On aurait tort d'enfermer les gens dans des appartenances ethniques alors qu'eux-mêmes ne se définissent pas comme tels. Les gens qui ont marché, les gens qui ont lancé des boules de peinture sur tous les monuments affreux qui recouvrent Skopje aujourd'hui, ne se définissent pas comme macédoniens ethniques, albanais ethniques ou que sais-je. Donc il faut respecter la façon dont eux-mêmes se présentent, c'est-à-dire comme des citoyens de Macédoine qui en ont assez qu'un parti ait capturé à ce point toutes les richesses de ce pays. Et ce qui est en train de se passer là, il se trouve que j'ai eu l'opportunité de faire l'observation électorale de ces élections-là, et à la lumière des résultats, il y avait l'option que rien ne se produise et qu'on reparte sur des élections en mai prochain. Il y avait aussi l'option que l'opposition l'emporte d'une très très courte tête, comme
c'était censé arriver hier, mais avec l'idée que le VMRO et Nicolas Gruevski feraient tout pour éviter ça. Parce que si vous perdez le pouvoir, il y a le procureur spécial qui vous attend après, et il y a tous les éventuels problèmes judiciaires qui vous attendent après, et puis il y a la perte de tout ce qui a fait votre richesse. Donc je ne m'attendais pas à ce que ça se passe de façon comme dans n'importe quelle démocratie où le pouvoir se transmet d'un parti à l'autre. Dès hier soir, il y a eu des tentatives de provocation de la part de militants macédoniens qui en fait étaient des gens du VMRO. On les a vus, il y a des images, on les a vus signer une feuille de présence au parti VMRO avant d'aller manifester. Donc le vrai enjeu, c'est la stratégie éclair de la part du VMRO, ça va être d'essayer de réethniciser la question. En disant, vous voyez, les Macédoniens sont en train de perdre leur pays à cause de 20% d'Albanais qui vont nous imposer le bilinguisme, qui vont nous imposer un tas de choses. Il ne faut pas oublier qu'aux élections de décembre, la majorité des Macédoniens ethniques a voté pour le VMRO, pour un tas de raisons, mais bon, c'est un fait. Donc la tentative de réethniciser, elle est là, elle est présente. La question, c'est jusqu'à quel point. Donc là, il y a un vrai risque. C'est pour ça que j'attends de voir ce que Mme Mogherini va avoir à en dire. Le commissaire Hahn a déjà eu quelques commentaires plutôt OK par rapport à ce qu'il dit d'habitude sur la nécessité de la transition. Mais en tout cas, c'est pas fait et il y a lieu d'être inquiet vis-à-vis du personnage Nicolas Gruevski et de son clan qui a accaparé l'État depuis 10 ans et dont on peut imaginer à l'évidence qu'il ne va pas se retirer sans essayer à tout prix de soit de se maintenir, soit de faire autant de dégâts que possible avant de partir. Donc la vraie inquiétude, elle est là, et là, pour le coup, c'est au jour le jour, et je vais pas spéculer sur ce point. Alors derrière cette description des tensions communautaires, vous dressez un tableau politique extrêmement sombre, avec notamment la description que vous faites du comportement de Dodic, notamment dans la partie serbe de la Bosnie, la Republika Srpska, dans ce que vous avez dit sur la Macédoine. Est-ce qu'à travers ces deux exemples, en les élargissant, on peut estimer que le processus de démocratisation de la région est particulièrement mal en point ? Et je suis sombre parce que il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, à mon avis. L'européanisation, tout à l'heure vous avez dit européaniser les Balkans. L'européanisation, telle que on y réfléchit dans les milieux académiques, ça signifie l'acquisition non pas seulement de l'acquis communautaire juridique, mais ça signifie aussi l'acquisition de la part des leaders politiques de tous les pays, ça signifie l'acquisition de pratiques politiques et de valeurs. Or, ce qu'on constate, c'est que dans toute la région, ce sont les pratiques autoritaires qui progressent. Et elles ne progressent pas, ça c'est mon avis, elles ne progressent pas en dépit de l'intégration européenne, elles progressent grâce à l'intégration européenne. Pourquoi ? Parce que ces leaders politiques, il faut voir un petit peu d'où ils viennent, de quel parti ils viennent, de quelle tradition de pensée ils viennent, de quelle pratique politique ils viennent. Aucun d'entre eux n'a jamais été connu pour être de très grands démocrates, très grands libéraux au sens politique. En revanche, ils ont compris que la conservation du pouvoir dans la région passait par le fait de se convertir à l'intégration européenne. Donc là, vous avez deux exemples parfaits que sont Aleksandar Vučić en Serbie. Il faut quand même se souvenir de qui est Aleksandar Vučić. C'est quand même quelqu'un qui, je l'ai rencontré la première fois en 2008, il avait encore un badge de Seychelles sur sa veste. Donc, quelqu'un qui a été ministre de l'information sous Milošević, à l'époque où on tuait les journalistes. Il sait très bien. Bon. Au Monténégro, Milo Djukanovic, qui dirige le pays depuis 25 ans,
avec, enfin, de la façon dont on sait, mais deux individus qui se sont convertis à l'intégration européenne parce que, tout en se présentant, et c'est là qu'est l'astuce, tout en se présentant comme des garants de la stabilité régionale. Et là, ça nous renvoie à l'absence de politique d'intégration. Le processus d'intégration, il y a deux dimensions là-dedans. Il y a la dimension juridique qui suit son cours, on ouvre des chapitres, on ferme des chapitres, on négocie des trucs, on vote des lois, etc. Bon, ça c'est très bien. C'est un pilote automatique, il y a des gens, il y a des techniciens pour ça. Et puis la politique d'intégration, c'est politique. Et là, il faut une impulsion. Une impulsion qui n'est pas à Bruxelles. Une impulsion qui, de plus en plus, est dans les capitales, et en particulier à Berlin. Ou qui ne l'est pas, d'ailleurs. Encore une fois, l'intégration, l'élargissement est la dernière des dernières des dernières des dernières priorités des pays membres de l'Union européenne et de Bruxelles elle-même. Donc, le mauvais deal pour l'Union européenne, mais le très bon deal pour les leaders régionaux, a été de dire « Moi, je vous garantis la stabilité, puisque c'est ça qui vous intéresse. Moi, je vous garantis la stabilité dans la région. Moyennant quoi vous regardez pas trop ce que j'y fais. » Et c'est comme ça que, en 10 ans, enfin, regardez la Serbie de 2006 et la Serbie d'aujourd'hui. Tout ce qui relève, par exemple, de la liberté de la presse. On ne peut pas dire que le Monténégro se soit libéralisé, démocratisé. En revanche, le Monténégro est devenu un enjeu... est devenu un enjeu de première classe parce qu'il y a cette affaire d'intégration de l'OTAN... et donc, évidemment, il y a nécessité de soutenir celui qui se présente comme l'Européen qui fait rentrer son pays dans l'OTAN. Donc c'est un mécanisme de réassurance pour des leaders qui ne sont pas des démocrates et qui ne sont pas des libéraux au sens politique. Et de ce point de vue-là, la promesse d'européanisation qui est portée par la société civile dans ces pays... Quand vous discutez avec des gens de la société civile en Bosnie, en Serbie ou ailleurs, mais ils s'arrachent les cheveux en disant mais nous, on se bat au quotidien pour qu'on change les pratiques, pour que vraiment on devienne, comme ils disent, un pays normal. Et pendant ce temps-là, à Bruxelles, on fait des courbettes devant M. Vučić parce qu'il se présente comme le garant de la stabilité de la région, ce qui n'est pas vrai au demeurant. Il n'y a pas un seul pays de la région qui est stable. Donc c'est une fausse stabilité qui se paye au prix d'une vraie absence de démocratisation. Et ça, c'est la responsabilité de l'Union européenne. Mais pas seulement dans la région, on parle d'européanisation, j'ai défini l'européanisation. Mais regardez la Hongrie, regardez la Pologne. Est-ce que, du coup, est-ce qu'on ne peut pas parler de déseuropéanisation ? À supposer que le mot européanisation ait un sens. Voilà, tout ce processus de capture de l'État en Macédoine depuis 10 ans, de recul des libertés, pas des libertés, mais en tout cas de la liberté de la presse en Serbie depuis quelques années, soit par le rachat de titres, soit par l'intimidation, tout ça se fait à découvert, devant tout le monde. Et il n'y a pas de problème. Et on ouvre des chapitres et on continue de discuter et il n'y a pas de problème. Ça pose des questions sur ce qu'est, sur la nature de l'Union européenne, sur quelle est sa spécificité. Mais ces questions-là ont été posées aussi lorsque les États membres ont conclu un accord avec la Turquie sur les réfugiés, avec les clauses que l'on sait, qui concernent également les Balkans d'ailleurs. Il y a aujourd'hui des réfugiés qui sont bloqués dans les Balkans. On promet un petit peu d'argent pour aider, mais ils sont pas si nombreux que ça, si vous voulez. Donc, j'ai tendance à penser que dans la vie, on récolte toujours ce qu'on sème. L'Union européenne n'a pas insisté sur les réformes politiques, la démocratisation, la libéralisation, etc. Parce que sa priorité était... qui va me garantir la stabilité dans cette région. Ce qui signifie au passage qu'on ne voit la région que comme, d'après cette expression que je déteste, un baril de poudre. Voilà, donc on est là, donc du coup, on donne la priorité à celui ou ceux
qui garantiront la stabilité de cette région-là. Et on la voit comme ça, et c'est pour ça qu'on se trompe de diagnostic, parce qu'on la voit comme ça. Bon. Alors vous parliez de l'Europe, l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui, avec les États-Unis et l'ONU, a imposé un système de fonctionnement qu'on appelle le fonctionnement de Dayton, des institutions très spécifiques, très compliquées aussi, pour essayer de faire fonctionner la Bosnie. Est-ce que dans ce cadre des institutions de Dayton, qui serait peut-être important de rappeler dans les grandes lignes comment fonctionne cette fédération bosnienne, et puis aussi rappeler la différence entre bosniens et bosniaques peut-être aussi, est-ce que ce pays peut-il être viable, ce pays dont beaucoup prédisent l'éclatement à court ou moyen terme ? Oui. Prédire des conflits ou prédire l'éclatement de la Bosnie, c'est comme prédire qu'un jour il y aura un attentat. Un jour, on finit toujours par avoir raison. À l'échelle de l'histoire, toutes les frontières changent et continueront de changer. Donc c'est quelque chose d'un peu idiot à écrire ça dans des publications importantes sur la base d'arguments qui n'en sont pas et qui alimentent localement ces discours-là. Faut pas oublier, je reviens sur ce que je disais il y a quelques instants, sur les anciens diplomates, les intellectuels, les gens qui écrivent en ce moment, il y a un tir de barrage là, ils écrivent pas mal sur cette idée qu'il faut changer les frontières, etc. Il ne faut pas croire que ces discours-là sont neutres dans la région. C'est des choses qui sont reprises, traduites, on monte ça en épingle, et du coup, ça alimente... Bien sûr, le moulin des gens qui, sur place, tiennent ces discours-là. Donc c'est pas neutre. Sur Dayton, bon, l'Union européenne n'y est pas pour grand-chose. Hein. Sur Dayton, y a un débat, sur le fait de savoir si la Bosnie peut fonctionner avec ces institutions-là ou pas. Alors il y a une certitude, c'est que la Bosnie ne peut pas intégrer l'Union européenne avec ces institutions-là. Donc si la Bosnie a vocation à intégrer l'Union européenne, de toute façon, à un moment donné, il faudra les modifier. Parce que cette constitution-là n'est pas compatible avec le droit européen. La question qui se posera, ce sera donc comment on fait ? Il y a quelques années, il y avait un truc à la mode qui était on refait un Dayton 2. On refait une grande conférence internationale avec tous les acteurs, et puis on s'arrange, on bidouille, on refait les frontières, on refait quelque chose. J'y crois très moyennement. D'une part parce qu'aujourd'hui, il n'y a, à ma connaissance, pas un seul acteur international qui a du temps, de l'énergie et du crédit politique à mettre là-dedans. Il faut bien dire ce qu'il y a. Et deuxièmement parce que il me semble que la bonne stratégie... c'est que les citoyens de Bosnie eux-mêmes soient en première ligne dans ce processus. Alors, différence bosnien-bosniaque, c'est que le mot bosnien se rapporte à tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine, quelle que soit leur nationalité. Bosniaque se rapporte à la nationalité bosniaque. Bon. Je ne crois pas à une grande conférence internationale, régionale, qui redessinerait... les frontières, ça me paraît hors de portée et pas du tout une bonne solution. Donc la question est-ce qu'on peut fonctionner dans ces institutions-là ? Ça a fonctionné au début des années 2000, jusqu'en 2005-6. Bon. Le débat, c'est est-ce que ce sont les institutions qui font les hommes ou les hommes qui font les institutions ? De ce point de vue-là, chercheurs en sciences politiques, on observe de très près ce que Donald Trump est en train de faire, évidemment, sur cette grande question de qui est au-dessus entre les hommes et les institutions. C'est fascinant d'ailleurs, parce que d'habitude on étudie ça dans les régimes autoritaires, loin, on pense que ça ne nous concerne pas, et là on a sous nos yeux quelque chose qui est en train de se faire. Bon. Donc entre 2000 et 2005-6, ça fonctionnait plutôt pas mal. Avec un bémol près qui est de taille, c'est que ça fonctionnait parce qu'il y avait un représentant de la communauté internationale qui était extrêmement interventionniste, pas dit H-down, et que donc si on fait les comptes de tout ce qui marche en Bosnie,
il faut bien reconnaître que ça marche parce qu'il y a eu une impulsion, au minimum, il y a eu une impulsion d'une soit de Paddy Ashdown, des internationaux, ou soit d'une autre organisation internationale. Donc que ce soit la monnaie, les plaques minéralogiques, la Banque centrale, la Fédération de football, pour ce qui est du football, il y a eu une énorme pression de la FIFA pour que la Fédération de football, qui était calquée sur le modèle de Dayton, et qui donc ne marchait pas, la FIFA a fait une énorme pression pour que les statuts soient changés. Et au bout du bout, tout le monde a été d'accord, y compris Dodik. Donc, bon, la preuve que ça peut éventuellement fonctionner. Donc, si on fait la liste de tout ce qui marche à peu près en Bosnie, c'est vrai qu'on constate qu'il a fallu au minimum une impulsion et une grande pression. L'armée, par exemple. Grande réussite, l'armée. À côté de ça, il me semble, bon, encore une fois, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais moi, il me semble que les institutions de Dayton, et donc le mode de scrutin qui va avec les possibilités de veto ethnique à toutes les strates du pouvoir, il me semble que ce mode de scrutin, ces institutions-là, rendent techniquement impossible une alternative non nationaliste. Parce que, arithmétiquement, ça ne peut pas arriver. Il ne peut pas arriver qu'à un moment donné, à toutes les strates du pouvoir, vous ayez des gens qui ne soient pas nationalistes. Ce qui signifie qu'il y aura toujours la possibilité pour les partis nationalistes, croates, serbes, bosniaques, qu'importe, de bloquer, soit au niveau de l'entité ou au niveau du gouvernement fédéral. Il y aura toujours cette possibilité-là. Et vous voyez à chaque élection qu'il y a des tentatives dans ce sens. Le Parti social-démocrate, il y a longtemps, Naša Stranka, qui est replié sur Sarajevo, l'initiative de l'ancien président Željko Komšić, dont le nom m'échappe, mais qui a aussi échoué. Ils ont essayé de participer pendant 6 mois au gouvernement, et puis ils se sont rendu compte que ça ne marchait pas, et ils se sont retirés. Donc, à mon sens, le principal problème de Dayton, c'est l'impossibilité technique de donner libre voie à une véritable alternative non nationaliste dans toutes les sphères du pouvoir. Et donc là, oui, il y a une logique d'enfermement qui est évidente, parce que les partis nationalistes ne se prennent pas de voix entre eux. Ils ont juste à la fois mobiliser leur électorat et tenir leur électorat par toutes les ficelles du clientélisme. Il ne faut pas oublier qu'on continue de voter pour des partis nationalistes parce que c'est eux qui tiennent les emplois. Le secteur privé étant atrophié en Bosnie, toutes les familles ont un cousin qui travaille au ministère, qui travaille à la municipalité, qui travaille ici ou là. Et évidemment, ce travail a été obtenu en échange d'un soutien au parti. Et donc, c'est pour ça que les votes continuent d'être ce qu'ils sont. C'est extrêmement flagrant en ce qui concerne le HDZ chez les Croates de Bosnie. Le HDZ tient tout. Et donc, si vous voulez vous élever contre le HDZ ou faire quelque chose en indépendant, ça va être très difficile pour vous. Et si vous le faites, vous savez très bien que dans toute votre famille, plus personne ne pourra jamais postuler à quelque chose dans une institution que le HDZ tient. Donc c'est comme ça aussi que le système reproduit. Ce n'est pas une affaire de nationalisme, ou ce n'est pas seulement une affaire de nationalisme, c'est que c'est un système clientéliste relativement classique et extrêmement bien rodé surtout. Donc comment lutter contre ça ? Difficile. Difficile parce que en Bosnie en 2014, il y a eu de grandes manifestations de gens qui, alors là, pour le coup, se présentaient comme des gens anti-nationalistes, au sens où il y avait cette pancarte « Nous avons faim en 3 langues ». Donc ça a beaucoup pris dans les villes à majorité bosniaque, ça a un peu pris à Mostar jusqu'à ce que le HDZ mette le holà, et ça n'a pas beaucoup pris en Serbie, parce que le Dodik tient extrêmement bien son territoire. Ça n'empêche pas qu'il y a des frictions possibles, mais il faut activer les bons leviers. Le bon levier, à mon avis, c'est l'argent. C'est-à-dire que en Republika Srpska, il y a aussi des retraités, il y a aussi des vétérans de guerre,
et ce sont des gens qui ont une certaine légitimité si jamais ils descendent dans la rue, et ces gens continuent de toucher leur pension, même si la Republika Srpska, enfin, et même si la Bosnie en général est en situation financière, j'ai même pas les mots pour la décrire, mais parce que le FMI est derrière. Et pour le coup, là où le pouvoir de conditionnalité de l'Union européenne a été dilapidé, c'est-à-dire que la stratégie de la carotte et du bâton ne fonctionne pas parce que il n'y a plus tellement de carottes à donner, les visas ont été levés, donc il n'y a plus tellement de carottes intermédiaires à donner, et le bâton, on n'y croit pas, parce que en dehors de retirer quelques aides, il n'y a pas tellement de bâton non plus. Dernier exemple de ça, c'était lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a demandé à la Bosnie de changer sa constitution, puisque dans la constitution, vous ne pouvez être élu que si vous êtes soit bosniaque, soit serbe, soit croate, et dans votre entité, pas l'autre. Ce qui signifie que si vous êtes rome, si vous êtes juif, ou si vous vous déclarez bosnien, vous ne pouvez pas être élu, vous ne pouvez pas être candidat. Bon, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Bosnie et a demandé à la Bosnie de changer sa constitution. Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'Union européenne a fait pression aimablement sur les leaders politiques de Bosnie pour changer ces règles-là. Rien n'a été fait. L'Union européenne avait menacé, en 2013, avait menacé de ne pas reconnaître les élections de 2015 si ce n'était pas fait, sauf qu'entre-temps, il y a eu ces grandes manifestations sociales et l'Union européenne a tourné kazakh et a dit « bon, tout ça, on s'en fout. Maintenant, on va essayer de faire du développement économique. » Moyennant quoi, la Constitution n'a toujours pas été modifiée. Et donc, le pouvoir de conditionnalité de l'Union européenne n'est pas crédible. En revanche, celui qui est éventuellement crédible, c'est celui du FMI, parce que c'est eux qui payent. Et que sans l'argent du FMI, ça devient compliqué. Les Russes n'ont plus d'argent à prêter aux Serbes. Donc sans l'argent du FMI, ça devient compliqué pour tout le monde de vivre. Donc là, il y a un vrai pouvoir de conditionnalité. Sauf que ce pouvoir est utilisé pour ce que le FMI appelle les fameuses réformes structurelles ou les ajustements structurels, qui sont pas politiques, qui sont pas démocratiques, qui n'ont rien à voir avec ce qui devrait être fait pour que la Bosnie soit un pays qui fonctionne un tant soit peu. Voilà. Et y compris dans son secteur privé d'ailleurs. Parce que l'atrophie du secteur privé fait que tout le monde se plie au clientélisme, ou alors tout le monde s'en va. Et en fait, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, il y a une lame de fond comme ça, la région se vide. Les gens s'en vont. Les gens prennent le premier bus de Pristina, ils vont jusqu'à Belgrade, et ils prennent le premier bus de Belgrade pour Francfort. Les gens s'en vont. Les diplômés de Bosnie s'en vont. Les diplômés de Macédoine s'en vont. Et donc, comment voulez-vous développer un pays à moyen terme si votre jeunesse se barre, et surtout si votre jeunesse diplômée, éduquée, libérale au sens politique du terme s'en va? Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste des retraités. Donc sur le plan des finances publiques, sur le plan social, évidemment, c'est une bombe. Et il vous reste des gens qui vivent du système d'une façon ou d'une autre, ou qui subissent le système d'une façon ou d'une autre. Mais ça, c'est une lame de fond qu'on ne voit pas, mais qui me paraît fondamentale. On a une idée de l'ampleur du phénomène, justement. Et est-ce que le fait que l'Europe ait libéralisé les visas pour les pays des Balkans, ou une partie des pays des Balkans, a largement contribué à ce phénomène? Alors, c'est pas tellement une affaire de visa, c'est une affaire d'opportunité économique. Ça ne concerne pas que les Balkans. Hein. Dans 20 ans, en Grèce, on aura une grosse surprise. Dans 20 ans, au Portugal, on aura une grosse surprise. Enfin, il faut se souvenir que le gouvernement portugais avait encouragé lui-même ces jeunes à partir au Brésil, en Angola et ailleurs. Donc, dans 20 ans, les pays qui ont laissé partir leurs jeunes diplômés vont avoir de très très grosses surprises. Enfin, qui ne seront pas des surprises d'ailleurs. Mais, donc, ça ne concerne pas que les Balkans. Mais évidemment, c'est. Bon, dans les pays des Balkans, c'est une pratique qui existe depuis plus longtemps. Enfin, je veux dire, sous la Yougoslavie, les frontières étaient déjà ouvertes pour permettre aux travailleurs d'aller à l'étranger et de ramener des capitaux. Et c'est comme ça que le système a tenu pendant un moment.
Enfin, les transferts de capitaux, dans les années 70, ça représentait 20% du PIB de la Yougoslavie. C'est quand même énorme. Aujourd'hui, la Banque mondiale, alors j'ai regardé un petit peu les chiffres de la Banque mondiale, pour l'année 2013, pour l'année 2014, les transferts de fonds de la diaspora représentent 16% du PIB du Kosovo, 11% du PIB de la Bosnie, 9% du PIB du Monténégro et 8% du PIB de l'Albanie. C'est beaucoup. Et donc, quand c'est la crise et que ça va mal dans les pays où ils travaillent et qu'ils travaillent moins et qu'ils peuvent moins envoyer de fonds, évidemment, la situation s'en ressent dans les pays sources. D'autres chiffres sur les populations émigrées. Pour l'année 2013, selon la Banque mondiale, dans le classement pourcentage de la population qui vit à l'étranger par rapport à la population locale, si vous enlevez toutes les îles des Caraïbes et toutes les îles du Pacifique, vous avez Monténégro premier, 45%, Bosnie deuxième, Albanie troisième, Kosovo quatrième, Macédoine cinquième et Arménie sixième. Donc on a toujours l'idée que la diaspora arménienne est extrêmement nombreuse, installée, etc. En fait, dans les chiffres, pratiquement, il manque la Serbie, mais tous les autres pays des Balkans sont devant. Ça veut dire que les gens s'en vont. Les gens s'en vont et là aussi, c'est quelque chose qui se produit depuis longtemps, mais qui s'accélère. Je pense que, j'avais cru voir que, je ne suis plus très sûr de mon chiffre, mais il devait y avoir 20 000 visas de médecins ou de professions médicales qui avaient été donnés par l'Allemagne à des gens en provenance de Bosnie et de Macédoine. Vous savez que le secteur hospitalier en Serbie manque de tout. Parce que vous êtes infirmière, vous êtes médecin, vous partez. Médecin en Serbie, vous gagnez 400 euros. Vous partez. Donc, évidemment, c'est du long terme, c'est du développement, mais c'est aussi le fait que, démocratiquement, on ne s'y retrouve pas. Si encore démocratiquement on s'y retrouvait, si encore il y avait l'espoir. Et ça, il n'y a pas si longtemps que ça. En Serbie, la classe moyenne, les gens, un couple qui avait chacun un travail, pouvait recommencer à faire des projets, etc. Aujourd'hui, quand j'ai vécu en Serbie en 2008, 1 euro valait 80 dinars. Aujourd'hui, 1 euro vaut 120 dinars. Donc, toute chose égale par ailleurs, en moins de 10 ans, le dinar a perdu la moitié de sa valeur. La vie de tous les jours, est difficile. Et donc, si vous êtes diplômé, vous partez. Si vous avez un cousin en Allemagne, vous partez. Et ça, sur le long terme, c'est vrai que c'est difficile d'envisager comment retourner cette tendance, qui montre que Fernand Braudel est bel et bien vivant, d'ailleurs. Vous avez parlé de salaire de 400 euros pour un médecin en Serbie, en imaginant plus que la situation est encore plus difficile, que ce soit en Bosnie ou en Macédoine ou au Kosovo. Hein. Oui, mais encore une fois, avec le courrier des Balkans, on avait un petit peu regardé cette affaire. Pendant un moment, il y avait une rumeur qui avait circulé en Belgique et en Allemagne, suivant laquelle ils distribuaient des visas et l'asile politique aux personnes venues du Kosovo. Et donc, pendant un moment, il y a eu des villages entiers qui prenaient d'assaut la gare routière de Pristina, à tel point que le voyageur lambda ne pouvait plus trouver un ticket pour voyager jusqu'à Belgrade, puisque tout était pris. Et ensuite, on allait à la frontière serbe et on avait recours à un passeur, puisque c'était le moment où il n'y a pas de libéralisation des visas pour les gens du Kosovo. Mais c'était un mouvement de masse. Et en Croatie, on part aussi. Et en Bosnie, on part aussi. Et il n'est pas dans l'intérêt des responsables politiques que ça change. Au contraire, c'est une soupape de sécurité. Les gens de la diaspora qui envoient des fonds localement sont une soupape de sécurité. On se demande, pour le voyageur lambda, on se demande toujours comment les gens font pour vivre là-bas. Bon, les prix sont moins chers, mais c'est pas non plus le Bangladesh.
vous rentrez dans les centres commerciaux high-tech, les choses coûtent les produits coûtent la même chose que chez nous. Donc vous dites, mais comment ils font ? Alors c'est une des explications est les fonds de la diaspora. Tout le monde a un cousin, tout le monde a quelque chose comme ça en Allemagne. Et donc évidemment, il n'est pas dans l'intérêt. De la même façon que sous Tito, on laissait partir les gens en Allemagne et ailleurs pour travailler et renvoyer des fonds, il n'est pas dans l'intérêt des responsables politiques aujourd'hui d'avoir une jeunesse éduquée qui, un jour, va vouloir prendre le pouvoir. Il est plutôt dans son intérêt de la laisser partir et d'aider la famille qui est là et qui, elle, vote correctement. Donc, voilà, la vraie question, c'est comment on sort de ce cercle-là, comment les populations locales, la société civile, qui est fragile, comment la société civile fait en sorte de changer ça. Et c'est pas évident dans les institutions qui sont celles de ces pays-là. Et de ce point de vue-là, on l'a vu en 2014 en Bosnie. Quand il y a eu des grands mouvements comme ça, la réaction de l'Union européenne a été de dire « Hop, stop, on arrête. On réunit les leaders politiques et on essaye de discuter. » Parce que derrière ça, il y a la peur bleue qu'un conflit reparte. Bon. Du coup, il y a cette distorsion entre le fait que la société civile, les gens, sont probablement la clé pour essayer d'aller de l'avant, et en même temps, c'est pas vers eux qu'on se tourne, parce que c'est pas assez organisé, parce que c'est pas assez mûr, parce que tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas vers eux qu'on se tourne. Et il y a eu la même chose en Macédoine en 2015. Le rush des Européens pour aboutir à un accord entre toutes les parties macédoniennes avait pour origine la peur que les manifestations dans la rue tournent à la violence, ou que, de toute façon, le pays devienne ingouvernable, ce qu'il est, au demeurant. Donc, il y a toutes ces échelles-là entre des gens qui, au quotidien, essayent de faire quelque chose, y compris au niveau de la justice, on va peut-être y revenir après, et puis les autres qui, désespérés, s'en vont. Et en Macédoine, j'ai des copains qui... tout le monde connaît en Macédoine des gens qui, après les élections, là, en fonction des résultats, disaient ben, « moi, je m'en vais ». Je suis diplômé ou moi je m'en vais parce que je connais quelqu'un en Autriche ou en Finlande ou je sais pas où, je m'en vais. Les gens s'en vont. Voilà. D'autant plus dommageable la situation économique que vous décrivez, qui a toutes sortes de potentialités dans ces pays des Balkans. Oui, mais je sors un peu de l'ex-Yougoslavie, mais vous savez qu'en Roumanie, il y a le haut débit le plus pur, enfin au niveau de la connexion Internet. La Roumanie est championne. En connexion haut débit, enfin, nous, on a encore des territoires blancs en France. Il y a des ingénieurs informatiques en Bulgarie, en Roumanie. Il y a un tas de potentialités. Il y a des potentialités sur l'environnement, il y a des potentialités sur le tourisme, il y a des potentialités sur... Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Mais, après, dans tous les pays, on va dire ça. Dans tous les pays du monde, on va dire « Ah là, mais il y a tellement de choses à faire, pourquoi ils ne le font pas ?» Et on va se dire « Ce pays est formidable si seulement ils avaient une autre population. » Bon, donc c'est pas quelque chose qui est spécifique à l'ancienne Yougoslavie. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de potentiel sur beaucoup de secteurs, et c'est pas exploité, et vous regardez les alors ici, il y a quand même quelque chose que je voulais dire. J'ai cité la Banque mondiale en bien, je vais la citer en mal. Et pour citer le classement Doing Business. Donc c'est le classement international des pays suivant la facilité ou pas de faire des affaires. Et le classement avec des indicateurs, enfin le nombre de jours qu'il faut pour créer une entreprise, le nombre de tampons qu'il faut, enfin bref, plein de trucs. Selon ce classement, la Macédoine est 10e dans le monde. Parce qu'il y a quelques années, la Macédoine s'est positionnée comme un espèce de paradis pour les affaires en Europe. Et donc, pour la Macédoine, comme pour partout dans la région, ce qui compte, ce ne sont pas les lois. C'est comment elles ne sont pas appliquées. Et comment la justice ne marche pas. Et donc, d'un point de vue tout à fait formel, c'est vrai que la Macédoine, c'est un paradis. Au niveau des impôts, au niveau de la facilité de création, tout ça, c'est très bien.
Mais si la Macédoine était vraiment dixième dans le monde, pourquoi tout le monde s'en va ? Enfin, où sont les investissements étrangers ? Où sont les cohortes d'investisseurs européens, américains qui se déplacent avec le sourire aux lèvres à l'aéroport de Skopje pour dire « Monsieur Gruevski, je veux investir chez vous ». Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc ce classement-là, faut bien voir que ce classement-là, évidemment, ensuite, participe de la propagande du gouvernement en disant « Mais regardez, je suis dixième, c'est la Banque mondiale qui le dit ». Alors que sur le terrain, tout le monde s'en va. Sur le terrain, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc voilà, pour la Banque mondiale, ça, il le mérite. Donc il y a des opportunités, à condition de les mesurer correctement, à condition de trouver... Enfin, je veux dire, il y a des entreprises françaises qui investissent en Serbie, il y a des trucs qui se passent. Mais il y a des pesanteurs, il y a la corruption, prenez le classement de Transparency, il y a... voilà, il y a des choses comme ça. Alors, autre élément qui pèse largement dans la préparation de l'avenir, hein, dans ces différents pays que l'on évoque, c'est évidemment la question de l'éducation. Comment est-ce que vous la caractériseriez ? Est-ce qu'il y a des pays plus avancés que d'autres ? Voilà, où en est la, où en sont les réformes ? Bon, alors, si on accepte les scandales de type université Megatrend de Belgrade, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à l'université Trump. Y a beaucoup de... Alors, à Zagreb, c'est sérieux. Il y a des accords avec des universités françaises. Aujourd'hui, on peut y faire l'Erasmus, tout ça, c'est sérieux. La faculté de sciences politiques, pour ce que j'en connais, de Belgrade est sérieuse aussi. Ils ont des fonds, enfin, on peut y faire des trucs. En Bosnie, il y a beaucoup de scandales sur le fait qu'il faut payer pour avoir son diplôme. Bon, en Macédoine aussi, il faut payer pour avoir le diplôme. D'ailleurs, récemment, le ministère de l'Éducation turc a retiré l'équivalence des diplômes à la Macédoine, hein, à cause de ça, parce qu'on paye des diplômes. Bon. Donc, on peut se former correctement en Serbie, en Croatie. Bon, après, c'est sûr que si vous êtes un jeune et que vous avez l'opportunité, parce qu'il existe des bourses, et que vous avez l'opportunité d'aller aux États-Unis, d'aller en Allemagne, d'aller en Grande-Bretagne, c'est bien évidemment ce que vous allez privilégier. Sur l'éducation, j'ajoute une chose, quand même, qui me paraît importante, avant même l'éducation supérieure, sur l'enseignement de l'histoire. Ça me permet de le rattacher avec la boucle sur le révisionnisme. Ce qui me paraît extrêmement inquiétant, c'est pas une tendance qui est unique à l'ex-Yougoslavie, on voit ça en Russie aussi. Ce qui me paraît extrêmement inquiétant, c'est cette vague de révisionnisme soutenue par les pouvoirs en place, qui se traduit évidemment dans ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Vous savez que donc dès la fin des années 80 et toujours jusqu'à aujourd'hui, le discours dominant consiste à casser tout ce qui, de près ou de loin, va dans le sens de la Yougoslavie communiste. Et donc, évidemment, le premier chapitre là-dedans, c'est de réécrire la Seconde Guerre mondiale, avec tous les procès en réhabilitation, enfin, tous les processus de réhabilitation en Serbie et en Croatie, les tchétniques d'un côté et des oustachis de l'autre, et tout l'ambiguïté du discours HDZ depuis 20 ans sur la période oustachi, qui parfois est pas du tout ambigu d'ailleurs. Donc c'est quelque chose de très inquiétant, parce qu'on fabrique une génération, enfin les gens qui travaillent sur les conflits post-traumatiques, les gens qui travaillent avec les enfants, par exemple les éducateurs de football, dans ma thèse j'ai un peu travaillé sur cette question, sont inquiets de constater que les enfants qui n'ont pas connu la guerre sont plus radicaux que leurs parents qui l'ont connue.
et qu'on observe chez ces enfants parfois aussi des syndromes post-traumatiques. Ça veut dire que la mémoire se transmet. Alors elle se transmet non seulement dans les familles, mais ce qui est déjà assez grave, mais plus grave encore, elle va se transmettre de façon officielle par les livres d'histoire. Et donc, il ne s'agit pas de dire que l'histoire telle qu'elle a été écrite par le régime titiste était la vérité révélée. Il n'y a pas de vérité révélée en histoire. C'est une science vivante. Et du coup, c'est un choix politique d'aller complètement dans l'autre sens et de participer à des processus de réhabilitation de telle et telle idéologie, de tel et tel personnage. À Mostar, il y a une rue Boudak. Boudak, c'était quand même quelqu'un d'important dans le régime Moustachi. C'est pas rien, quand même, d'avoir des monuments qui portent... d'avoir à Jasenovac une plaque où il est écrit « Zadom Spremni », qui était l'équivalent de Sieg Heil pour la Croatie Moustachi. C'est quand même... Il y a là quelque chose qui pose problème, et ça pose problème dans la mesure où il y a toute une première classe d'âge qui va grandir avec cette historiographie-là. De la même façon qu'en Russie, on revoit en profondeur le rôle de Staline. Bon, donc ça, à long terme, ça me paraît être quelque chose d'inquiétant, d'autant plus que, pour ce qui concerne le conflit récent, en matière de justice internationale, on a échoué. Le tribunal pénal international n'a pas que échoué, mais à mon sens, il a échoué là où il n'aurait pas dû échouer, sur la structure intellectuelle du conflit. Peut-être l'occasion de m'expliquer, mais il a échoué. Il a pris à revers tous les gens de la société civile qui s'intéressaient à ces questions dans les pays en question, par exemple Nataša Kandić en Serbie, qui est, comme tous ceux qui se sont battus pour la justice, ces gens-là sont horrifiés par les derniers verdicts du TPI, et ils se sentent trahis par ce TPI. Et donc, évidemment, ça participe du révisionnisme ambiant. Non seulement ce révisionnisme... Il est officiel et institutionnel en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Mais en plus de ça, en ce qui concerne la dernière guerre, il est alimenté par le TPI lui-même. Et bon, ça, c'est... on peut développer cette question, mais l'héritage du TPI sur ce point-là me semble accablant et très dangereux à long terme. Alors, je voudrais laisser du temps pour les questions du public, mais avant cela, peut-être quelques dernières questions pour replacer les Balkans dans leur environnement géopolitique. On a parlé également les derniers mois d'une influence russe plus importante dans les Balkans, notamment une histoire de... On n'a pas eu d'éléments très, très clairs et très probants là-dessus, mais une histoire de coup d'État avorté, planifié depuis Moscou au Monténégro, avec en toile de fond le Monténégro qui souhaite adhérer à l'OTAN. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de cette influence russe? Est-ce qu'elle correspond à une réalité ou est-ce qu'elle est mythifiée? Alors, deux choses. La première, c'est que je me garderai bien de me prononcer sur la véracité ou pas de cette tentative de coup d'État au Monténégro. Je sais que la presse britannique s'en est fait l'écho avec pour source des gens, des services d'intelligence britanniques et américains. Bon. Moi, par principe, j'ai tendance à ne pas faire confiance à Milo Djukanovic. Donc l'homme fort du Monténégro, voilà, qui dirige le Monténégro. J'ai le droit de le dire, Monténégro est un narco-État, donc il le dirige depuis 1989. Il a su au long de ces années faire et défaire les alliances de façon à se positionner comme indispensable à ceux dont il pensait qu'il pouvait être utile. Donc c'est pour ça qu'il a été d'abord un allié de Milosevic, puis qu'il s'est détourné de Milosevic dans les années 90, puis qu'il a été extrêmement proche des Russes, et puis que récemment, il a tourné kazakh pour se présenter comme le garant de la stabilité pour l'Europe, pour l'OTAN, dans la région, et en particulier dans la mer Adriatique. Bien. Donc par principe,
Par principe, je me méfie quand le pouvoir monténégrin annonce qu'il a déjoué une tentative de complot et même une tentative d'assassinat le jour des élections pour renverser le gouvernement, etc. Bon, alors, je n'exclus pas que ce soit vrai. Après tout, on a vu des choses tellement improbables politiquement l'an passé qu'on ne peut pas exclure que ce soit vrai. Mais en tout cas, je ne me prononcerai pas sur la véracité ou pas de cette affaire. Ce que je peux dire, c'est que dans les deux cas, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que par l'intermédiaire du GRU, les Russes sont vraiment derrière une tentative de coup d'État, ça veut dire qu'on a passé un palier quand même dans ce qu'on est capable de faire en dehors de l'étranger proche. C'est-à-dire les gens qui sont proches des thèses russes pensent qu'au fond, intervenir en Ukraine, intervenir en Géorgie, bon, ça reste légitime. Intervenir au Monténégro, même par l'intermédiaire d'officine, c'est un peu, bon, c'est un peu plus discutable. Donc si c'est vrai, on passe un palier et ça pose problème. Si c'est pas vrai, ça dit à quel point le pouvoir monténégrin était prêt à tout pour le conserver. Donc dans les deux cas, c'est quand même une grosse affaire. Donc sur le Monténégro, je me prononcerai pas. Sur la Russie en général dans les Balkans, oui, ça aussi, ça fait partie des grands thèmes, la Russie dans les Balkans. Et la Turquie, d'ailleurs. J'ai tendance à penser que la Russie se place dans une vision des relations internationales qui est une vision de jeu à somme nulle. Ça veut dire que si je recule, tu avances. Bon. Si tu recules, moi j'avance. Là où il n'existe plus de politique d'intégration européenne, là où il n'existe plus d'impulsion européenne dans la région, on peut y marquer quelques points à bon compte. Pendant longtemps, ça a été à travers la politique d'énergie, et notamment à travers le gazoduc South Stream qui devait passer par la Serbie, Bulgarie, Serbie, et qui devait remonter comme ça. Donc il y avait un intérêt stratégique majeur pour les Russes à ce que la Bulgarie et la Serbie soient des régimes amis. Ce gazoduc n'existe plus. Mais il y a toujours cette idée qu'il existe des pays dans la région qui sont plus proches de la Russie que d'autres. Et donc c'est évidemment à travers eux qu'on peut essayer de développer notre influence du point de vue des Russes. Cependant, je crois que fondamentalement, ce que font les Russes dans la région, c'est de l'obstruction qui coûte pas cher. À mon avis, il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est qu'il n'y a pas de plan positif, c'est-à-dire de construire quelque chose. Il y a l'idée d'empêcher les autres de construire, c'est-à-dire principalement l'intégration euro-atlantique. Donc la Russie est contre l'élargissement de l'OTAN, ça ne pose pas de problème. Elle est également contre le principe de l'Union européenne. Ce n'est pas pour rien que la Russie finance tous les partis d'extrême droite d'Europe qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de détruire l'Europe politique. Faut quand même avoir ça à l'esprit. Donc évidemment, pour la première fois depuis la fin de la guerre, l'année dernière, à l'ONU, la Russie, le représentant russe, a dit que l'avenir de la Bosnie ne passait pas forcément par une intégration euro-atlantique. Derrière ça, il y a tout le soutien à la politique d'obstruction des Serbes de Bosnie. Donc ça se traduit quand même sur le terrain. Mais ça coûte pas cher. Ça coûte rien. Un soutien politique, ça coûte rien. Ne pas reconnaître le Kosovo, ça ne coûte rien. Mais vraiment, ça ne coûte rien. Le bémol, il est là, c'est que si ça devait coûter cher à la Russie, les choses se passeraient différemment. Les Balkans, ce n'est pas l'étranger proche. Il y a des intérêts, mais ce n'est pas vital, comme l'Ukraine ou la Géorgie. Cette politique d'obstruction fonctionne parce qu'en face, il n'y a pas d'impulsion contraire. Il n'y a pas une impulsion européenne qui dirait « maintenant, ça suffit, on reprend la démocratisation, on reprend, on investit, enfin, on fait des trucs. » Donc il n'y a rien en face. Mais en tout cas, c'est suffisant. C'est suffisant pour empêcher les autres de faire. Et je pense que, fondamentalement, la politique de la Russie,
C'est celle-là, c'est donc de passer par quelques éléments de soft power comme Russia Today, Russia Today est très regardé en Serbie par exemple, et de passer par le côté émotionnel de la relation entre les orthodoxes entre eux. Quelque chose qui est fascinant est de regarder les sondages quand vous demandez aux Serbes quels sont les pays qui vous aident le plus, financièrement, politiquement, etc. Et ils mettent la Russie en tête. Et en fait, dans l'aide financière, quand vous regardez l'aide financière apportée à la Serbie, vous avez l'Union européenne largement en tête, les États-Unis, ensuite l'Allemagne toute seule, bon, la Chine, etc. Et vous descendez, vous descendez, et à la fin seulement vous trouvez la Russie. Donc ce décalage-là, il est assez fascinant à observer. Il se retrouve dans le fait que les Russes avaient acheté pour une bouchée de pain l'entreprise gazière serbe, qui s'appelle NIS, dans le cadre du gazoduc South Stream, qui s'est pas fait, parce que les Russes, d'un trait de plume, ont dit « non, bah, ça se fera pas ». Donc ils ont acheté pour une bouchée de pain une entreprise, ils ont spolié la Serbie. Et les Serbes, et plus les Serbes sont nationalistes, plus ils sont pro-russes. Ça, c'est propre de tous les nationalistes d'être à un moment donné plus pro un autre pays que pro son propre pays. Voilà, la Russie a ces cartes-là, et l'opposition au Monténégro, principalement, pas seulement, mais une opposition à partir des Serbes du Monténégro, et en Bosnie, on joue la carte serbe aussi. Donc c'est pas une stratégie d'ensemble pour construire quelque chose, c'est une stratégie d'ensemble pour faire obstruction à quelque chose d'autre, qui est l'intégration euro-atlantique principalement. Voilà. Et ça s'inscrit dans une compréhension du monde qui est une compréhension de jeu à somme nulle, qui est une compréhension qui gagne du terrain. Enfin, on parle beaucoup du grand retour de la géopolitique, machin, avec l'arrivée de Trump, bon, à faire des accords et à l'idée que, au fond, les progrès démocratiques et les progrès libéraux au sens politique ne sont plus la priorité de qui que ce soit. Si l'Europe a un rôle à jouer dans ce nouveau monde, c'est peut-être celui-là. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, il y a une autre influence, ça sera ma dernière question, qui fait beaucoup écrire sur les Balkans, une influence réelle ou supposée, c'est celle des pays du Golfe, et notamment qui ferait venir en sous-main des salafistes, surtout en Bosnie. Est-ce que là aussi c'est plutôt du domaine de l'épiphénomène ou de la légende, ou alors c'est le symptôme d'une réalité qu'il ne faut pas nier? Alors, les salafis, ce sont des locaux. La guerre en Bosnie 93-95 a fait venir, c'est vrai, plusieurs centaines de moudjahidines, dont certains sont restés, se sont mariés à des locales, ont construit des communautés. Et donc c'est comme ça que cette pratique de l'islam qui était inconnue dans les Balkans, diffusé, alors ça reste extrêmement minoritaire bien sûr, mais ça s'est diffusé comme ça, et donc aujourd'hui les communautés locales salafistes sont composées par des locaux, pas des Saoudiens qui sont venus. Y a quelque chose qu'il faut voir, c'est que dans l'après-guerre, aussi bien en Bosnie qu'au Kosovo, les communautés islamiques sont relativement à la fois faibles et pauvres. Et donc, il est assez facile pour des pays argentés de proposer de financer des mosquées, de proposer de financer des études de théologie à des jeunes étudiants, moyennant le fait que la pratique qui sera pratiquée, sera proche des standards qui ne sont pas des standards habituels des Balkans. Concrètement, on retrouve, alors quand on fait quand on s'intéresse à tous ceux qui sont partis en Syrie et tous ceux qui ont recruté des gens partis en Syrie, et chez les imams, ces imams-là, par exemple en Macédoine, l'imam Recepi, lui, il a été formé en Jordanie.
Et on retrouve comme ça des gens qui ont été formés au début des années 2000 en Jordanie, en Égypte, beaucoup plus qu'en Arabie Saoudite d'ailleurs. Donc évidemment, ceci est un élément à prendre en considération. C'est vrai que... alors après le 11 septembre 2001, il est vrai que les Américains ont fait une grosse pression, par exemple sur la Bosnie, pour éliminer les fondations saoudiennes. Ça s'est produit aussi au Kosovo plus tard. C'est-à-dire que vous aviez des fondations saoudiennes, jordaniennes, qataries, dont on ne savait pas trop ce qu'elles faisaient, mais voilà, y avait beaucoup de doutes sur ce qu'elles faisaient au niveau de l'enseignement religieux, etc. Donc y a eu un premier ménage en Bosnie, il y a eu un petit peu de ménage au Kosovo, mais c'est vrai que ceci existe. Bon, alors après, est-ce que ça doit pour autant donner lieu, à cette autre formule qui, moi, me fait rire, la Bosnie, berceau du djihad en Europe ? Encore une fois, il y a des gens, des intellectuels, des chercheurs, des gens qui prospèrent sur cette idée. C'est aussi leur intérêt à eux qu'on pense ça, donc que les médias reprennent cette thèse. Au prétexte qu'on a vu un drapeau de Daesh au fin fond de la communauté de Gornja Mahoča. Parce que ça fait fantasmer. Mais jusqu'à preuve du contraire, les frères Kouachi viennent pas de Bosnie. Et tous les attentats que l'Europe a connus depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, dites-moi si un seul citoyen de Bosnie ou du Kosovo se trouvait dedans, ou de Macédoine. Aucun. Donc, faut aussi remettre les choses en perspective. Il est vrai que par tête d'habitant, la Bosnie et le Kosovo a un nombre de combattants étrangers relativement important. C'est un problème qui n'a pas été vu, qui commence à être traité avec toutes les difficultés possibles. Après, est-ce que c'est une lame de fond ? C'est-à-dire, au fond, la question, c'est est-ce que la Bosnie est en train de se transformer en terre salafiste ? Bon, la réponse est non. La réponse est clairement non. Eh bien, merci Monsieur Trigores d'avoir trouvé des mots clairs pour évoquer une situation, ma foi, bien compliquée de ces Balkans. Alors, on a une vingtaine de minutes pour prendre des questions du public. On va en prendre deux ou trois en même temps. Il y a deux, trois questions dans la salle. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure le tribunal pénal international et le fait que ces derniers verdicts, et notamment dans le procès contre Chechel, puis par la suite aussi le procès qui a été fait contre une de ses anciennes porte-paroles, Florence Hartmann, avait un peu signé une fin suicidaire du TPI. Est-ce que vous avez une interprétation sur les raisons pour lesquelles on assiste avec effroi à un tel fiasco final du TPI ? C'était ma première question. Et deuxième question, vous avez évoqué les difficultés très grandes pour relever un pays après une guerre de ce type, et notamment le fait qu'à la fois l'Union européenne et les États, quand ils interviennent directement, n'ont finalement, en dehors de la volonté politique qui peut à un moment donné exister puis se relâcher par la suite, n'ont visiblement pas les mécanismes et les outils qui permettent d'éviter de mettre sous tutelle un pays, parce que si on le met sous tutelle, on le brise, ses ressorts ne reviendront pas. Et si on veut en même temps l'aider, il faut à la fois une volonté, une énergie, une disponibilité politique tout à fait extraordinaire. Est-ce que là, il y aurait des outils qu'on pourrait imaginer sous forme d'une fondation pour la démocratie permettant... Enfin, je dis ça parce que... On a eu, nous, au niveau des collectifs Bosnie en France, à une époque, après le conflit, la volonté d'essayer de créer des passerelles entre les forces démocratiques qui, à l'époque, existaient et se fédérer entre elles sur l'ensemble de l'ex-Yougoslavie pour essayer d'avoir des interlocuteurs directs au niveau de l'Union européenne. Et ils voulaient, en fait, éviter que ce soit que les dirigeants nationalistes qui aient ces contacts. Et on s'est aperçu, après plusieurs tentatives, que même s'il y avait des encouragements de représentants à l'époque du Parlement, etc.,
rien ne se faisait et que les forces n'existaient pas. Donc est-ce que de telles forces peuvent exister parce qu'elles sont quand même fondamentales pour la suite? Merci. Peut-être déjà répondre à ces deux premières questions. Alors, ce que je voulais dire sur les verdicts du TPI, qui me paraît essentiel, c'est que, pour le dire très vite, donc Radovan Karadzic a été condamné, et dans les attendus du verdict, il est écrit que Vojislav Šešelj fait partie de l'entreprise criminelle serbe qui condamne Radovan Karadzic. Une semaine plus tard, Vojislav Šešelj est acquitté de cette même inculpation. Donc d'une semaine à l'autre, en fonction des juges, et là, bon, il y a des travaux de sociologie de la justice et de sociologie des juges formidables à faire, d'une semaine à l'autre, on ne parle pas du tout du même conflit, en fait. Et donc, ce qu'a réussi à faire le TPI, ce qui est assez effroyable, c'est que les enquêtes du TPI sont parvenues vraiment dans le détail à établir qui a fait quoi, quand, avec quels moyens, avec qui, etc. Et ça, pour les historiens, c'est fabuleux. Et dans le même temps, à travers ces verdicts, et en particulier dans les verdicts d'acquittement de Stanišić et de Simatović, qui étaient les interfaces entre les services de Belgrade, services de renseignement de Belgrade, et les unités paramilitaires en Bosnie, qui fournissaient en ordre, en armes et en pognon. Les acquittements de ces gens-là détruisent la structure intellectuelle de la guerre. Vous ne pouvez plus faire un récit intellectuel de cette guerre. Il n'y a plus que des gens qui ont tué. Mais vous n'avez plus de vision d'ensemble. Ces verdicts-là ont détruit la possibilité d'avoir une vision d'ensemble du conflit, une vision politique d'ensemble du conflit, puisque ces acquittements disent « la Serbie n'a rien à voir avec le conflit », ce qui est une hérésie. Mais ces acquittements et le fait que d'une semaine à l'autre, dans les attendus du jugement, on retrouve une telle contradiction... Fait que dans le récit, dans la structure intellectuelle de la guerre, le TPI a tout détruit. Et ça, c'est terrible. Indépendamment des gens qu'elle condamnera ou qu'elle ne condamnera pas, ça, c'est terrible. Alors pourquoi autant d'acquittements? Est-ce qu'il y a un agenda? Et pendant un moment, on a beaucoup accusé le juge américain, le juge Meron. Et il y avait une théorie qui disait que... ces acquittements étaient, disons, des acquittements préventifs parce que peut-être qu'un jour, des responsables plus importants occidentaux se retrouveraient devant un tribunal pour des faits relativement similaires et que donc on aurait une base juridique pour les acquitter. Bon, j'ai pas assez creusé la question pour le dire, mais de ce point de vue-là, l'opinion au moment de l'acquittement de Šešelj, il y a une juge italienne qui a écrit une opinion dissidente. Il faut lire cette opinion dissidente. Elle est exceptionnelle. Elle rappelle juste le droit. Et donc elle dit « l'opinion de mes collègues qui viennent d'acquitter Šešelj n'a aucun sens, ne fait aucun sens en droit voilà. ». Et bon, alors pourquoi ces acquittements je ne sais pas. Enfin, si, pour Radinaï et pour Lidmaï, on sait, parce que les témoins sont fait buter. Peut-être que le nouveau tribunal qui va ouvrir réparera cette profonde injustice. Quoique, enfin, du coup, on ne sait pas ce que Radinaï va devenir, puisque si j'ai bien compris, la cour de Colmar a repoussé au 6 avril sa décision sur le fait de savoir ce qu'on en fait. Mais bon, pourquoi ces acquittements? Je ne sais pas. Et alors, il y a aussi l'idée que, à mon avis peut-être, que le tribunal n'a pas beaucoup de soutien politique et que donc... ça rame et donc il y a une pression pour que ça ferme, qu'on en finisse, et au contraire pas de pression pour mener au bout toutes les investigations qui devraient être menées. Donc bon, mais peut-être qu'en appel, parce qu'il y a des appels à tout ça, donc peut-être que les procès en appel condamneront. Bon. Voilà. Sur ce que vous avez dit ensuite sur la deuxième question. Les chercheurs qui s'intéressent à la question du state building n'ont toujours pas trouvé la martingale entre voilà, on arrive dans un pays qui n'a plus rien, qui n'a pas de structure, qui n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait entre, évidemment, la tentation du protectorat
et puis l'empowerment, comme on dit, des populations locales. De toutes les missions de l'ONU et tout ça, je pense que le seul demi-succès qu'on peut trouver, c'est le Timor oriental. Le Sud-Soudan, enfin, si vous les prenez une par une, vous aurez du mal à trouver un vrai succès. Et donc, c'est une question sur laquelle les chercheurs se penchent. Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il a manqué? Sur quels acteurs locaux s'appuyer? C'est une vraie question. Et sur ce que vous avez dit, ça me fait penser à ce que mon ami Tija Memišević, qui dirige, ou qui dirigeait, je ne sais plus si elle est encore, à Sarajevo, le centre de recherche sur l'Union européenne, enfin, European Research Center. Tija, elle me disait, nous, on est frustrés par l'Union européenne parce qu'eux ne veulent parler qu'avec les leaders politiques. Nous, on propose des choses, on propose de faire des choses, mais c'est aussi une affaire de structure. L'ONU sait parler à des États. C'est pour ça que, en solution à un conflit, on pense tout de suite à la création d'un nouvel État. Pas forcément la bonne solution, mais l'ONU sait parler à des États. L'Union européenne sait parler à des responsables politiques, parce que ça fait partie des pratiques courantes. Et donc, il y a une grosse difficulté à voir comme des alter-ego, mais aussi au niveau organisationnel, tout simplement, à voir comme des alter-ego des organisations de société civile. Parce qu'on considère que le changement se fait d'abord dans l'action politique. Et donc, on va d'abord aller voir des partis politiques, des leaders politiques. Ce qui est une erreur si jamais ces leaders politiques ont tout intérêt à ce que ça ne change pas. Donc, on en est là, en réalité, en Bosnie. On va pas voir les bonnes personnes, mais dans l'absolu, on ne saurait pas comment faire pour changer de personne. Il n'y a pas de logiciel pour ça. Ça, c'est les gens de sciences politiques qui travaillent sur ces questions de set building font en partie ce constat que on parle peut-être pas avec les bonnes personnes, mais on n'a pas non plus forcément le bon logiciel pour parler aux bonnes personnes. Alors on tâtonne, et même les gens les mieux intentionnés tâtonnent. On va prendre deux, trois autres questions, s'il y en a. Qui se lance ? Oui ? écoutez, c'est sur la question de la justice. Bon, d'une formule, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas parce que... comment dire ? Il y a la loi, et il y a ce qui est fait. Et si vous avez un différend commercial en Serbie, et que vous allez devant la justice... Vous allez attendre une bonne décennie. Non mais, quand Vucic a gagné les élections en 2012, l'homme le plus riche de Serbie, Mišković, a été arrêté. Et alors, partout dans la presse, machin, ouais, c'est la lutte contre la corruption, etc. Bon, il a été arrêté. C'est toujours en cours. C'est-à-dire que et là, comme les élections arrivent, il y a à nouveau eu un coup de filet anticorruption, on a arrêté des gens. Mais il ne se passera rien après. Parce que la justice est extrêmement lente, et bien sûr, la justice n'est pas indépendante. Alors, ce qui est valable dans le droit, ce qui est valable dans le milieu des affaires est valable dans le milieu politique, bien sûr. De ce point de vue-là, la Roumanie a fait des progrès. Pour parler d'un exemple que je connais un peu, les hooligans de football sont par ailleurs des gens qui sont impliqués dans les trafics de drogue et tout ça. Ces gens-là ne sont jamais inquiétés. Ils sont arrêtés 47 fois, ils ne sont jamais inquiétés. Parce que soit les affaires durent beaucoup trop longtemps, donc pendant ce temps-là, on peut continuer de vivre tranquillement, soit les affaires sont enterrées. Faut vraiment pas avoir un différend commercial en Serbie. C'est pas une bonne idée. Enfin, je m'étais laissé dire il y a quelque temps qu'il y avait des différends
datant de la Yougoslavie qui était toujours pendant à Belgrade. C'est pour vous dire. Bon. Donc voilà, les juges, y a beaucoup de juges qui sont partis sous Milosevic. Et d'autres qui ont été nommés juges alors qu'ils ne sont pas compétents pour ça. Des juges qui sont affiliés à tel ou tel parti, enfin bon, il y a tous ces problèmes-là, mais qui ne sont pas spécifiques, encore une fois, qui ne sont pas spécifiques à la région, qui sont quelque chose d'extrêmement classique dans des pays. Dans des pays aux pratiques politiques autoritaires, post-conflit, moyennement développés, etc. Donc, l'état de droit et là, une justice qui fonctionne est un vrai marqueur de développement, c'est vrai. De ce point de vue-là, il y a encore évidemment beaucoup de progrès à faire. Et au Monténégro, je n'en parle même pas. Y a-t-il encore une dernière question, peut-être ? Oui. C'est ici devant. Oui, vous aviez évoqué tout à l'heure la question de la constitution de la Bosnie, le fait qu'on avait demandé aux autorités de Bosnie de changer cette constitution, notamment pour empêcher une représentation strictement ethnique des élus. Mais est-ce que ce n'était pas en contradiction avec Dayton ? Est-ce que ça ne remettait pas... Est-ce que finalement, il pouvait changer cette constitution sans remettre en question Dayton ? Les Européens étaient prêts à accepter une modification vraiment à minima. Le minimum du minimum qu'on puisse trouver juste pour dire « Bon, allez, les Roms, vous pouvez vous présenter à l'élection présidentielle. » Mais même ça... Les leaders politiques locaux se rendent bien compte que si on rentre dans cet engrenage-là, c'est évidemment le début du commencement du détricotage de Dayton. Or, il existe, enfin, il y a des gens, les Serbes de Bosnie sont mordicus sur le statu quo. Ça leur va très bien. Donc il ne faut pas attendre d'eux qu'ils soient favorables à un changement quelconque. Pas du tout. C'était bien sûr que c'était la porte ouverte et bien sûr que l'idée derrière c'était ça. Mais de toute façon, si on va au bout du processus et si la Bosnie a réellement vocation à intégrer un jour l'Union européenne, à supposer que l'Union européenne existe toujours à ce moment-là, il faudra changer Dayton. La question c'est comment ? La question c'est comment ? C'est-à-dire est-ce que ça doit venir d'une pression d'en haut où on va encore dire vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça, on va réunir le comité de Venise, tous les constitutionnalistes d'Europe pour dire bon, ben, on va vous refaire une constitution aux petits oignons, ou bien est-ce que c'est d'abord et avant tout les professeurs de droit sur place, les gens sur place, les civils sur place, les gens qui se réunissent et qui essayent de construire quelque chose, de faire quelque chose. C'est, ou alors est-ce qu'on essaie de trouver une formule entre les deux ? C'est sans doute ce qui pourrait fonctionner le mieux. Mais bien sûr que si la Bosnie se conforme à l'arrêt de la Cour de 2009, Sejic-Finci, bien sûr qu'il faut, il faut changer ces règles-là. Et donc, in fine, il faut changer Dayton. Mais ça, c'est dans les couloirs de Bruxelles... Dayton, c'est le fantôme qu'on ne veut pas voir. C'est la boîte de Pandore, comme ils disent. Donc évidemment, on n'en parle pas. Ils pensaient toujours en parler jamais. Il y a une formule. Bon, mais si vraiment on est sérieux sur l'intégration de la Bosnie, il faudra en passer par là un jour. Si vraiment on est sérieux. Ça, c'est un autre problème. Eh bien, c'est là-dessus qu'on conclura. Merci beaucoup, Monsieur Trégourès. Merci à vous. Thank you.